Recrutés au terme d'un processus en 4 phases avec seulement 20% des postulants retenus, Jérôme et Josepha n'avaient qu'une chance sur 5 de se rencontrer lorsqu'ils postulèrent il y a 6 mois pour un poste de téléconsultant à Phone Mac 2. C'était un soir pluvieux d'hiver. Elle n'avait jamais lu Don Quixote, il n'avait jamais goûté au gazpacho, mais il parlait désormais un langage commun et d'ouverture, celui de Phone Mac 2. « C'était toi !» s'exclama Josepha. « C'était moi !» répondit Jérôme en la prenant dans ses bras. « J'aime beaucoup votre film, Boris. »« Merci, madame. » Vous êtes venu ? Tiens, tu peux t'occuper des enfants ? Oh, vous vous êtes baigné ! Ah, le silence des profondeurs, Boris ! Venez, ça devrait vous plaire ! Je m'avais laissé finir mon film. Au lieu de m'entraîner en Andalousie, j'en serais pas là. Ah, Boris, est-ce que vous saviez que la murette... Alors pourquoi votre personnage, Vladimir, n'arrive pas à quitter sa femme et ses deux enfants ? Adieu, plancher des vaches ! Boris ! Tout va bien ! Je rentre à la nage ! Je suis un homme, un vrai, quand je suis dans tes bras. Je suis une femme. Vous avez les yeux sensibles. Sorry. Quand tu es là, au lever du jour.